السلام عليكم الزول الفلاوان، الحمد لله راكم بخير. يوم الخميس 23 نوفمبر اليوم، على بالكم النهار تاع الفوت، باه يعني تكون ديمقراطيه في البلاد. بصح رانا بعاد 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 بزاف 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 بزاف. اليوم الموضوع نحضركم على واحد الجمع هنايا في مدينه جنفيليه. مدينه جنفيليه رانا تقريبا 5 كيلو على مدينه باريس. وشوفوا شوفوا يعني الكارثه كارثه. راكم تقراوا ولا لا؟ بيرمي دو ديموليير، بيرمي دو ديموليير. على بالكم بلي المافيا تاع 40 سراق بغاو يستقبلوا الرئيس تاع فرنسا ماكرون لو 6 ديسمبر بروشان. اي ريغاردي سو كون في لي سيرفيس دو ليتا فرونسي سو لوتوريتي دو بريزيدون ماكرون. ايلز اون ديسيدي de détruire une mosquée. Chauffeur. Hada ga kan jama' hnaya. Et depuis 2011, j'ai tout fait pour essayer de sauver cette mosquée depuis octobre 2011. Et j'ai même fait un prêt de 500 000 euros pour acheter le terrain afin de sauver cette mosquée. Et regardez ce que la France du président Macron a fait. Ils ont détruit la mosquée de Gennevilliers. Et la mafia des 40 voleurs d'Alger va recevoir le président Macron le 6 décembre, dont les services de l'État ont détruit la maison, la mosquée de Gennevilliers-Port. Donc, je vous dis en arabe. En 2011, j'ai levé 500 000 euros pour nichrou cette terre. اللي كان فيها جامع تاع جنفيلي. وشوفوا شنو داروا اليوم 2017، كسروا هدوا جامع بيت الله. راكم تشوفوا ولا لا؟ بونجور مسيو، جو سوي راشيد نيكاز. سافي ديبي 2011 جي تو في بور سوفي سيت موسكي. داكور. Pardon, j'ai tout fait pour sauver cette mosquée. Apparemment, je vois qu'elle est détruite. Qu'est-ce qui se passe? Et vous faites partie de qui? Je fais partie du MJC, Mouvement pour la Jeunesse et le Changement. Et je ne comprends pas pourquoi vous détruisez cette mosquée alors que depuis 2011, j'ai tout fait pour la sauver en faisant un prêt de 500 000 euros. Vous êtes venu me voir, monsieur. Vous êtes venu me voir, vous êtes sur mon compte. Ah, c'est quoi l'explication? Je vous invite à quitter le terrain. Monsieur, j'ai tout fait pour sauver cette mosquée et je ne comprends pas pourquoi les services de l'État français ont décidé de détruire cette mosquée. Si vous voulez qu'en polémique, on va devant la porte, on n'est pas ici. La porte était ouverte, monsieur. Je vous invite, mais il y a un panneau qui dit... Voilà. Non, j'ai vu qu'il y a marqué permis de mener, c'est tout ce qu'il y a marqué. Et il y a un autre panneau, interdit au public. Est-ce que vous pouvez me le montrer, s'il vous plaît? Tout à fait. Voilà. Mais d'abord, je montre la destruction d'une mosquée par les services de l'État français. Chauffe, ya chab jazairi, la mafia ta 40 sraq. Chauffe, ça va être dire. Monsieur. Haddit jama, bayt Allah. شوفوا شو دار. شوف مسيو، لو انكيتي با. مسيو مسيو ابي لا بوليس يبو فولي. مسيو ابي لا بوليس يبو فولي. مسيو با سي ابي لا بوليس. Je viens montrer une mosquée qui a été détruite par les services de l'État du président Macron. شوفوا يا الشعب الجزائري، شوفوا لا مافيا تاع 40 سراق بغات تستقبل رئيس فرنسي اللي هد جامع بيت الله. شوفوا هم يهدوا في جامع. وهذه المافيا اللي ما يخافوش بربي، اللي ما يأمنوش بربي، بغاو يستقبلوا رئيس فرنسي اللي راه يهد في جامع بيت الله. راكم شوفوا لله، وراكم الجزائر، وراكم وراه اللي يفتحكم، وراكم شكون الدومة. 40 مليون جزائريين، ما كان حتى واحد يهضر. 40 مليون جزائريين، ما كان حتى واحد يهضر. مشي بوكو دابا ديت مسكين. بوكو سي فو لو شاف دو شانتيير؟ Vous êtes chef de chantier ou pas? Oui, oui. Je vous filme pas, vous inquiétez pas. Non, mais je suis Est-ce chef que c'est vous le chef de chantier? Oui, oui, non, mais pourquoi vous détruisez une mosquée? Vous savez que c'est très grave de détruire une mosquée. Vous savez, on a reçu un bon commande, il y a marqué dessus une commande, une affaire, il y a marqué une démolition. Alors, démolition de quoi? Il y a marqué. Voilà, démolition de tout ça. Voilà. Mais c'est une mosquée, vous savez. Oui, alors c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu pour les musulmans, c'est sacré de mosquée, vous savez. Oh. Une mosquée, c'est sacré pour les musulmans. Je suis athée. Oui, mais là je vous parle, c'est un lieu de culte ici. Et normalement c'est protégé par la loi de 1905. Oui, merci monsieur. Ah, comme tu veux, là.
فرنسا راهي تهد في جامع يا الشعب الجزائري. وهذه لا مافيا بغات تستقبل رئيس لو 6 ديسمبر اللي راه يحرق ويهد جامع. هاكم تشوفوا بعينيكم، ما رانيش نكذب عليكم، شوفوا بعينيكم. رغاردي لا مافيا تعرف غير السراق بغات تستقبل رئيس اللي راه يهد في جامع بيت الله، شوفوا بعينيكم. وراهي الروح الدينيه تاعكم، وراهي الروح الدينيه يا الشعب الجزائري. وراك هذه لا مافيا شافي، هذه لا مافيا بالخرجات. كيف راكم تستقبلوا مافيا اللي تستقبل رئيس اللي راه يهد في جامع وغدوه الجمعه؟ وعلى بالكم اللي غدوه الجمعه. وراكم يا الشعب الجزائري، وراك. شوفوا شوفوا راهم يهدوا في جامع، راهم يكسروا في جامع. Je me demande qui sont ces 40 millions d'Algériens qui acceptent une mafia des 40 voleurs qui va recevoir un président dont les services de l'État sont en train de détruire une mosquée. C'est dramatique. Je vais sortir, vous inquiétez pas. D'abord, je monte. Attendez. Monsieur, je vais vous filmer alors. Non, monsieur, enlevez votre main. Enlevez votre main, monsieur. Vous avez un problème, vous appelez la police. Chauffez-vous, monsieur. Il n'est pas que je vous filme, mettez-vous à l'écart. Monsieur, enlevez votre main, s'il vous plaît. Voilà, comme tu veux, Lella. Monsieur, vous êtes chef de chantier. S'il vous plaît. Allez, je suis pas venu vous filmer. Monsieur, mais vous n'avez rien à faire sur le chantier. Je vais sortir d'ici dans 5 minutes. Prenez rendez-vous avec l'entreprise. Monsieur, c'est très grave ce que vous êtes. Oui, vous êtes en train de détruire. Prenez un lieu de culte. Monsieur, enlevez votre main, s'il vous plaît. Monsieur, enlevez votre main. Je vous touche. Monsieur, prenez rendez-vous. Il y a 1 million de gens qui regardent. Enlevez votre main. Prenez rendez-vous avec l'entreprise. Monsieur, enlevez votre main, s'il vous plaît. Dans 5 minutes, je sors d'ici. D'accord. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Alors sortez. Monsieur. Je viens vous le dire, je ne vais pas vous dire en plusieurs langues. Dans 5 minutes, je sors d'ici. Et si vous avez un problème, vous appelez la police. Vous avez dit rien à faire ici. Monsieur. Mais vous avez dit rien à faire ici. Vous qui avez marqué interdit ici. Non, venez, restez. Entrez-moi. Bon, alors comme tu veux, Lella. La mafia des 40 voleurs, qui ne croient pas en Dieu, qui ne respectent pas Rasoul alayhi salatu salam, Rahum istakablo ra'is li ra'ihad fi jama'a. Chantier interdit au public. Très bien. Moi, je suis citoyen. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais bon. si vous voulez, on prendra rendez-vous et vous viendrez. Vous pas... Non, mais il faut que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. C'est très grave pour les juifs de détruire un lieu de culte. Moi, je travaille. Vous savez, je me suis dit. Non, parce que vous savez que c'était une mosquée ici. Non, mais puis, vous voulez travailler, il faut démolir ça. Mais est-ce que vous avez dit que c'était une mosquée ici? Donc, vous savez que c'est une mosquée. Mais vous savez que c'est sacré, une mosquée quand même. Imaginez, on détruit une église. Bien. Imaginez. On détruise une église, comment vous allez réagir? Je vous explique, je suis athée, je m'en fous. Mais vous respectez quand même les lieux de culte. Je m'en fous, moi, de ça. On vous en foutez. Mais moi, on me donne un travail, je vais le faire. Même si c'est une mosquée, une église ou une synagogue. Normal, vous n'avez pas de cas de conscience, ça ne vous fait rien. Non, non, je suis athée. Je ne crois en rien, moi. Mais athée, ça ne veut pas dire détruire les lieux de culte, quand même. Je crois. C'est rien, c'est du béton, ça. C'est du béton. Un lieu de culte, vous pouvez le déplacer. Il est déplacé où? Rien, mais là il faut demander aux gens qui vous ont délogé d'ici. Ça, c'est les services de l'État, de la préfecture du Val d'Oise. Moi je travaille pas pour l'État, je travaille pour un privé. Très bien. En tout cas, c'est pas vous mon problème. Mon problème, c'est les services de l'État qui ont décidé de détruire une mosquée. C'est vrai, ah, c'est pas tout le temps. Ah merci, enfin. Non, mais je vous rassure. Ah merci. Non, je vous rassure. Après, pourquoi ils sont prêts pour voir pourquoi ils l'ont détruit? Pourquoi ils vous ont dit de partir? Pourquoi est-ce que c'était vêtu? Parce que je ne sais pas. Parce qu'il y a tout terrain, moi j'ai proposé de racheter le terrain, 500 000 euros. D'accord. Et ils n'ont jamais répondu. Jamais. Ça date de octobre 2011. 500 000 euros. 500 000 euros. Ça vous connaît parce que c'est. Si, ça vous dit. Le terrain, je parle. Ah oui. Ouais, c'est... Vous savez. Ça c'est les hauts placés qui décident. Hein. Nous on est petits. Hein, c'est grave. Nous, ça on est là, on travaille. Non, mais j'ai rien contre vous. Vous êtes un travailleur. Voilà. Moi, c'est pas là, ça qui m'embête. Vous savez que le président français va aller en Algérie le 6 décembre. Je sais pas si vous êtes au courant. Bon, je m'en fous de ça aussi. Je m'en fous des choses. Ouais. C'est malheureux à dire, mais voilà. J'ai compris. Non, mais de toute façon, c'est pas vous le problème. Ouais. Vos problèmes, c'est les services de l'État français. Moi, mon problème, c'est juste que vous êtes sur le truc. Ne vous inquiétez pas, je suis dans la limite. Là. Vous savez, vous marchez sur un coup. Non, il n'y a pas de souci. Vous vous blessez ou. Après, c'est moi qui aurai des problèmes. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est par rapport à votre sécurité, à vous. C'est gentil. Merci après, que vous êtes fiers de filmer, vous filmez. Je rien contre. Non, mais moi, ça me fait mal au cœur de voir une mosquée détruite par la France alors qu'il y a la loi 1905 qui protège les lieux de culte. Et je trouve ça déplorable. C'est vrai, là, ils sont en train de démolir ça, après il y a des gens qui prient dans la rue, quoi. Ah, vous voyez la cohérence.
D'un côté, vous détruisez, ils détruisent une mosquée, et d'un autre côté, les gens sont obligés de prier dans la rue, comme à Clichy, dans le 92, dans le même département. En tout cas, c'est malheureux. Bon, je me mets juste à un mètre. Voilà, Chab Jazeri, comme je vous l'ai, c'est catastrophique. Donc, la mafia des 40 voleurs va recevoir le président Macron, dont les services de l'État sont en train de détruire une mosquée. Comme je vous l'ai, mafia tana, voilà, voilà, وراه الروح الدينيه وراه الروح الدينيه يا الشعب الجزائري وانتم راكم مستقبلين هذه المافيا هذه المافيا هذه اللي ما عندهاش كاع الروح الدينيه سي تري تري غراف voilà je vous remontre le permis de démolir d'une mosquée voilà permis de démolir 7 mars 2017 département des Hauts-de-Seine là-bas comme belle le procureur c'est le même procureur l'imam Rachid Dakhal في الحبس هذاك وليد سعيد علي راكم تسمعوا ولا لا لو بروكورور دي هوت سين سي دادير ا نونتير هو اللي تبع تبع نوي سور سين شوفوا بعينيكم فوالا سيرفاس دي باتيمون دي بولير الجبهه كان يدير 510 متر مربع 510 متر كاري فوالا لا بوسكي فازي 510 متر كاري ا جون فيليير فوالا اي سون تران دو ديتروير اون موسكي دونك فوالا La mafia des 40 voleurs va recevoir le président français dont les services de l'État sont en train de détruire une mosquée. Beit Allah. Comme ça, ou là, le Jamaa est là, Hamza, Goudamak. Et là, c'est un centre culturel ici. Allah yahdi hom ga. C'est très, très grave. Très, très grave. Très, très grave. وراكم يا ربع المليون جزائريين وراكم وين راكم وين راكم يا ربعين مليون جزائريين اللي ما تخافوا من ربعين سراق تخافوا منهم مي سي تري تري غراف ربعين سراق تخافوا منهم خوضوا البلاد فزدوا البلاد باعوا البلاد باعوها الفرنسا باعوها الامريكان باعوها الانجليز باعوها الطاليان وانتم راكم ساكتين وزير الطاقة سراق الرئيس سناطراك سراق سيو يحيى هو مدير ديوان تاع هذه المافيا تاع 40 سراق هو فادي راه ساكت راكم كاع ساكتين 40 مليون جزائريين اي لو 6 ديسمبر vous allez recevoir le président français monsieur Macron qui est en train de détruire une mosquée وانتم روحوا صفقوا له روحوا تبوسوا يديه كما بوستوا اليدين تاع اولاند في 2012 يا الشعب الجزائري وراه اللي تاعكم وراه اللي تاعكم سي تري تري غراف وغدوه الجمعه وغدوه ان شاء الله نكونوا امام المجلس الشعبي الوطني تاع فرنسا ونهضروا على القضيه تاع الجماع اللي راهم يكسروا فيه والسلام عليكم وطلع في رواحكم